Ami Miel Dissé d'ailleurs, bonsoir. Bonsoir. Le son est bon, je crois. Le son est bon. Voilà. Ami Mien Dissé d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manou de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et Angoïde. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses cachées de la divine nature. C'est un espace vidéo que nous avons créé pour parler des choses cachées de cette vie, afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. En fait, mon iPhone, le son a de sérieux problèmes. C'est ça. Allô? Oui. On va terrasser. Non, je suis au salon. Ok, moi ça. On va avec tout ça. Donc, c'est un espace que nous avons créé pour parler des choses de cette vie. Et parmi ces choses, Ami Mien Dissé d'ailleurs, nous allons vous parler de l'aubergine sauvage. Oui, c'est une plante d'une puissance incroyable. Pourquoi? Parce que nous allons parler de l'aubergine sauvage. J'ai eu deux appels. Je voudrais d'abord remercier tous ces amis, toutes ces connaissances, voilà, toutes ces personnes qui m'ont soutenu, voilà, qui m'ont soutenu à l'occasion, n'est-ce pas,
funérailles de notre. Voilà. Donc, ces personnes se reconnaissent. Voilà. Donc, merci infiniment. Merci, merci, merci. Alors, nous allons parler un peu de cette plante qui fait des merveilles. Et ce qui me pousse à faire ce direct, c'est les appels, les cris de cœur, les cris de détresse d'une sœur qui m'a appelé pour me dire, Papa Manou, ça ne va pas. On m'a dit à l'hôpital que j'ai un cancer de sein. Et vraiment, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors, je suis donc obligé de faire un direct, non seulement pour rompre le silence, parce que ça fait quelque temps, que je ne suis pas là, je ne suis pas là, c'est vrai. Après ma visite de courtoisie au Togo, chez les Menza, les Dako, les Adebayor, les Aplo, voilà, j'étais honoré, j'étais très très honoré, j'étais très content d'être là-bas. Voilà, chez les Ameyadi, chez les Ayo Alunyone, voilà, les Nyaludia, il semblerait que là-bas il y a aussi des noms. Si tu es né un lundi, on te donne un nom. À partir de ce nom-là, le Togolais reconnaît que tu es né un lundi. Il y en a aussi ceux qui sont nés les vendredis, tels que les, je sais pas, hein, j'imagine les Kasenine. Vous voyez, voilà. Donc c'est ça l'Afrique, hein, l'Afrique. Le berceau, les berceaux, Abédjé, tout, vous voyez, les Anoutemba. Voilà, tous ces noms-là, vraiment. Je voudrais porter également tous ces noms, parce que ce sont des noms qui ont des énergies positives, qui sont africains. Ce sont des noms vraiment africains. Et comme vous le savez tous, voilà, les lacets, les Atissot, voilà, les Atissot, les Kofi, voilà, les Kofi, les Atiobé. Bon, ami bien d'ici, d'ailleurs, bonsoir. Christian est connecté, Linda est connectée, Nicole, Ogré, Maman Angie au Sénégal, c'est notre représentante, c'est l'une des doyennes, hein, des représentantes de Papa Manou, Maman Angie du Sénégal. Voilà, je crois qu'elle également elle est en train d'organiser les choses pour ma prochaine visite au Sénégal. Mais avant cela, je serai au pays des hommes intègres. Ouais, ça sera un très long séjour. Voilà, je vais bien, bien, bien manger les pétanques là-bas. Donc, ami bien tissé d'ailleurs, c'est ça. Voilà, je suis là, je suis en vie. Et vous. Voilà. Bon, je disais tantôt, l'aubergine sauvage, c'est ça. Voilà l'aubergine sauvage. Tout est dans la divine nature. Dieu a tout créé. C'est notre ignorance qui nous fait. La connexion nous joue quelques sales tours. Hein. Voilà. Bon, voilà les feuilles, hein, les feuilles séchées de l'aubergine sauvage. Nous allons un peu vous parler comment vous pouvez utiliser l'aubergine sauvage, sa racine, ses feuilles, pour faire beaucoup de choses, hein, pour faire beaucoup de choses. En amour, comment vous pouvez dompter un homme en utilisant, n'est-ce pas, la racine de l'aubergine sauvage. Voilà, c'est ça. Donc l'aubergine elle-même, là, voilà. Ça, ce sont ses feuilles. Voilà. Lorsqu'elles sont séchées, voilà un peu ses feuilles. La racine, je n'ai pas eu. La connexion est très mauvaise. On est en plein mois de décembre. Voilà. Bonsoir Anne. La connexion est très très mauvaise.
très 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 mauvaise, je te dis. Oh, là, là. Oh, c'est compliqué, maman. La connexion est ouf. Au mois de décembre, c'est pas évident. Elle est mauvaise, vraiment. Très, très mauvaise. Anne-Cyril, comment tu vas? La connexion. Vraiment, la connexion, ça ne va pas. Hein? Elle est tellement mauvaise que c'est vraiment. Bon, je voudrais, au nom de l'amour, au nom de l'amitié, donner cette recette pour nos soeurs. La connexion est très très mauvaise. Vraiment, elle est mauvaise. Est-ce que vous m'entendez? Peut-être qu'on va remettre le direct. Liliane, bonsoir Liliane. Estelle Quadio, Maria Baga, Kwame Anne Cyril. Ouais, je change de place pour aller au Cyril, dans la piscine. Octave Asia, Nicole Migan. C'est la connexion, vraiment. Ça nous fait du chichi là, depuis. Oh là là. On va faire comment? Est-ce que vous m'entendez? Bon, je vais au moins laisser cette recette. Hein? On ne s'est pas connecté pour rien. Et on va remettre le direct à quand ça? Demain, c'est jeudi. À 21, j'ai une réunion. À partir. Voilà, je peux faire le direct demain à 18h. Voilà, je change de place. Voilà, la vidéo. On vous entend, mais la vidéo rate des fois. Oh mon Dieu. Bon, si vous avez une soeur, ouais. Est-ce que Tanti Aivi est connectée? Estelle aussi. Oh, vous m'avez manqué. Voilà. Voilà. Et vous voyez les feuilles de l'aubergine sauvage. Les feuilles. Les feuilles fraîches, voilà, ça là c'est les feuilles séchées, vous voyez, séchées à l'ombre. Lorsque vous avez les feuilles sèches, vous voyez, ça c'est les feuilles, là c'est les feuilles qui sont déjà, qui sont, les feuilles sont sèches. Lorsqu'elles sont fraîches, voilà, ça peut vous aider incroyablement, je dis bien incroyablement, pour des problèmes, n'est-ce pas, de cancer, vous voyez, les problèmes de... voilà, le son est bon. Pierre Awadi, c'est vrai. Voilà, ça me rassure si le son est bon. Voilà, comme je disais tantôt, pour des cancers de foie, cancer de sein, de l'utérus, cancer de prostate, voilà, les feuilles, n'est-ce pas, de l'aubergine sauvage vont vous aider incroyablement. Voilà, incroyablement. Il suffit de faire des décoctions, c'est-à-dire vous prenez les feuilles fraîches de l'aubergine sauvage. La décoction consiste à mettre de l'eau à cramper la plante ou bien les feuilles d'une plante ou bien les racines d'une plante, à cramper ça dans de l'eau chaude. Voilà la décoction. Or l'infusion, c'est le contraire. L'infusion, c'est-à-dire l'eau chaude est déjà là. Non, la plante est là et vous y mettez de l'eau chaude. Voilà un peu la différence. Donc, vous faites ça sous forme. Donc, l'eau est bouillante. Pendant ce temps, l'eau bout. L'eau est en train de bouillir. Vous voyez, vous prenez donc les feuilles fraîches de l'aubergine sauvage, vous crampez. Vous mettez ça dans de l'eau bouillante. Voilà, ça va au feu pour 10 minutes, 15 minutes. Voilà. Vous enlevez, vous filtrez l'eau. Vous prenez un verre le matin, un verre le soir. Vous serez surpris. Hein, vous serez surpris. Maintenant, pour la soeur, deux soeurs qui m'ont appelé, une de Yaoundé, une autre, je ne sais même plus où. Voilà. Cherchez dans les feuilles de l'aubergine sauvage. Vous rendez ça en poudre. Donc, c'est-à-dire comme c'est là. Vous voyez, comme c'est là. Je vais rendre ça en poudre.
Voilà, déjà que elles doivent être, les feuilles doivent être sèches. Voilà, je rends ça en poudre et vraiment en poudre. Vous prenez donc de, comment on appelle, le beurre de karité, vous, puisque ça devient la poudre, vous mélangez, vous massez les seins avec. Vraiment, vous serez surpris. Voilà, vous serez, Dieu a tout créé, Dieu a tout créé, tout créé. Et tout se trouve dans sa divine nature. Vous voyez, donc ça va vous aider. Est-ce que la connexion est bonne? Voilà. Et l'aubergine sauvage aussi, hein? Mais là, cette fois-ci, c'est la racine de l'aubergine. Ça va aussi vous aider incroyablement. Si vous avez la chance de d'avoir la racine de l'aubergine sauvage, avant même de la couper, et vous le savez tous, avant d'utiliser, de couper une plante, ou bien des feuilles d'une plante ou la racine, je ne sais pas quoi, c'est un être végétal, il faut d'abord lui parler. Hein? Vous lui parlez, c'est ça on appelle de la. Il faut consacrer la plante. Hein? Il faut lui parler. Tu dis, bon, plante, comme tu vois là, vraiment je souffre beaucoup. Il y a un homme de Dieu là. Il y a un homme là qui m'a dit que vraiment, avec toi là, tu peux m'aider. Hein, que si je te coupe là, hein, tu vas m'aider. Voilà. Donc voilà pourquoi je te coupe, pardon. Quelquefois, quand vous dites ça, vous pouvez faire un tour dans le sens, oui, dans le sens de l'aiguille d'une montre. Vous faites le tour de la plante, vous tracez autour. Lorsque vous avez fini de parler, vous tracez autour de la plante. Si c'est un manguier, vous faites le tour. Voilà. Vous lui dites vraiment, je coupe tes feuilles là. C'est pour me traiter avec pardon. Pardon. Parce que la même douleur, quand on te coupe le bras, tu as mal là. La plante là, quand tu la coupes, elle a aussi mal. Donc, c'est un peu ça. Ce sont des lois naturelles. Une fois que tu as fait ça, tu prends la racine de l'aubergine sauvage. Tu vas bien laver. Bien, bien laver. Tu vas faire sécher. Et à l'ombre, il ne faut pas sécher ça au soleil. À l'ombre, ça va sécher très bien. Tu vas prendre ça, rendre ça en poudre. Une fois que tu as obtenu la poudre, il faut que je parle même de ça. Hein. Les techniques, vraiment, parce que quand vous êtes dans une relation, et quelques instants après, 10 ans de mariage, 8 ans de mariage, 6 ans de mariage, 2 ans de mariage, après un moment, l'homme te tourne le dos parce qu'il ne quitte pas dehors. Mais c'est, tu vois, elles exploitent généralement notre ignorance. Parce qu'une tisa qui arrive dans un couple où la femme maîtrise les mystères, c'est pas possible. À 18 ans, l'homme est déjà positionné. Il est déjà posté. Quand tu vois Coco, ce monsieur-là a déjà sommé. Il est là. Voilà. Ce n'est pas la magie. Dieu a tout créé. Mais tout simplement, on ne s'occupe pas. On se dit non, le mariage c'est un acquis, je suis femme du foyer, je suis là dedans. L'homme là va encore aller où? Non, c'est pas ça. C'est un perpétuel combat. Le plus dur commence même. Le plus dur commence et il faut vraiment veiller. Donc, avec les racines de l'aubergine sauvage, vous pouvez donc faire des petites astuces pour dompter votre homme. Même s'il va faire une consultation, il n'y a pas un marabout qui peut voir pour dire que non, ta femme là t'a fait tes choses. Non. Parce que ce n'est pas de la magie noire. C'est que tu es allé dans le laboratoire caché de la divine nature pour prendre des recettes. Voilà, tout est dans la divine nature. Donc avec ça, tu prends, l'homme aussi peut utiliser, hein, voilà, tu prends ça avec le beurre de karité. Avant de livrer le mat, tu prends un peu, tu mets. Ouais. Hey. Oh, coco, c'est à vie, ça ne manque pas. Quand il part, même s'il a essayé dehors, là, il ne peut même pas faire 2 jours dehors. Voilà. Mais n'utilisez pas ça pour les tisanes, là. Si vous faites ça, là, il ne faut pas qu'il y ait votre bonheur dans ça, dans cette recette-là. Vous voyez? Donc, ami bien d'ici, d'ailleurs. Excusez-moi, il y a eu un week-end pour charger. Mais croyez-moi, demain nous allons faire un très bon direct. Vous voyez, j'ai compris que le portable avait des soucis.
Mon iPhone est au travail, il est fatigué. Je dois le remplacer. Voilà. Donc, déjà avec ces deux recettes, nous ceux qui souffrent de cancer de sein, vous avez déjà la solution. Cherchez donc les feuilles d'aubergine sauvage. Vous allez les rendre en poudre. Dieu merci, nous sommes en saison sèche. Vous allez les rendre en poudre. Déjà, vous les avez obtenus. Vous les avez obtenus, vous allez faire bouillir hein, sous forme de décoction. Vous friquez, vous prenez un verre au matin, un verre au soir. Il faut donc avoir une très bonne quantité. Maintenant, une autre quantité pour laisser ça sécher à l'ombre. Lorsqu'elle a bien séché, comme vous voyez là, voilà, vous voyez là, vous rendez ça en poudre, c'est plus, c'est facile. Il y a des machines qui écrasent, ça devient la poudre. Et vous prenez le beurre de karité, voilà, vous prenez pour masser, et vous allez voir que le cancer va disparaître sans aucun souci. Voilà, Dieu a tout créé, tout est dans la divine nature. C'est notre ignorance qui nous fait vraiment souffrir. Sinon, tout a été créé, vraiment, tout a été créé. Et vous savez que le cancer est une maladie provoquée par la transformation, je peux dire, des cellules qui deviennent anormales et qui prennent tout le corps d'une façon excessive. Vous voyez? Et ces cellules-là, c'est ça qu'on appelle le cancer. Il y a plusieurs facteurs, plusieurs choses peuvent, n'est-ce pas, être à l'origine du cancer. C'est un mot, quand on entend ça, les gens ont peur. Il a le cancer du sein, le cancer de l'utérus, le cancer de ceci, de la prostate. Voilà, donc, n'ayez plus peur. Voilà, ayez cette habitude de consommer la décoction, n'est-ce pas, à base, n'est-ce pas, des fruits, de l'aubergine sauvage. Voilà, tout a été créé. Si nos parents ont vécu les 110 ans, 120 ans, c'est tout simplement parce qu'ils étaient connectés à la divine nature. C'est tout simplement parce que à l'heure, si au village, les gens dorment. Les gens dorment profondément. Alors qu'à l'heure, en ville, c'est à 7 heures, les gens sortent pour aller dans des boîtes de nuit, pour aller dans des espaces de joie. Le sommeil est difficile, on ne dort pas bien. Vous voyez, là-bas, il y a peu de discussion. Ils ont conservé la nature. Donc, voilà pourquoi leur vie donne. Vous voyez, en faisant ça aussi, en buvant ça, ça va vous aider parce que les feuilles d'aubergine sauvage, une fois que vous prenez ça constamment, vous allez voir que ça va vous aider à filtrer, à nettoyer vos reins, autant pour moi. Parce que la meilleure plante pour vos reins, insuffisant rénal et tout, la meilleure des meilleures, c'est le persil. Voilà. Donc prenez de temps en temps de l'eau chaude, vous achetez le persil, il y en a pour 200, 300. On vous fait bouillir ça, vous prenez, si vous avez du miel, vous mettez à l'intérieur, vous buvez. Oh, c'est incroyable. Avec ça, mais vous allez voir que vos urines, vous allez beaucoup pisser. Même si vous prenez deux verres de thé, à base de persil, vous allez uriner même 5 litres. Voilà, 5 litres. Donc, ça va beaucoup vous aider. Voilà, même ceux qui ont l'obésité, ça va vous aider. Même aussi les femmes qui. Les feuilles d'aubergine sauvage aident aussi les femmes à déboucher les trompes. Vous voyez, et à détruire ces histoires des kystes, des myomes, des fibromes, tout ça là. Vous voyez, donc ça aide incroyablement. Et donc ça ne tue pas. C'est pourquoi la terre. Oh, il y a une initiée qui est connectée. Voilà, Vincent Quadio Amon. C'est un initié. Ça va, mon gars? Voilà, donc habituez-vous à cela. Buvez assez d'eau chaude. Hein? Quand vous vous levez le matin, votre réveil, buvez de l'eau chaude. Ça va beaucoup vous aider en dormant. Vous pouvez également prendre des thés. Il y a vraiment, il y a tout. Et ça ne coûte même pas cher. Et ce sont des choses que nous négligeons.
Lequel va dire non, je bois du bon vin rouge en dormant, du vin mousseux, alors que ce sont des produits, ce sont des produits chimiques. Hein? Voilà, ce sont des produits chimiques. Non, le persil va vous aider. Le persil va vous aider incroyablement. Oh là là, toi, Tigo. Voilà, même pour les femmes qui ont des règles douloureuses, quand ça vient, ça te fait mal, le persil. Bon, on va faire un direct sur ça. Comment également pouvez utiliser le persil pour attirer. Voilà, pour attirer. Quand tu passes là, tu es une femme, quand tu passes, non. Les gens, même les fous sont derrière toi. Voilà. Donc, tout, Dieu a tout créé, tout. Voilà, Dieu a tout créé. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne nuit. Demain, c'est le 27. Demain, c'est le 21 novembre. Voilà, maman Saturne est là. Je voudrais rappeler les uns et les autres, mes frères comment on appelle, du Gabon, mes frères du Congo-Brazzaville, chez Ariane, comment on appelle encore, du Tchad, que les pyramides sont déjà disponibles. Donc j'avais une première vague. Voilà. Raïssa, comment tu vas, Raïssa? Après, il faudra m'appeler, maman Raïssa. Je crois que ton kit est même déjà en France, maman Raïssa. Il faudra m'appeler après, s'il te plaît. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, Gabon, Tchad, Oh, pardon, laissez-moi aller dormir. Ouf. C'est pas facile. Achille Bekina, Véronique Kouadio, Raïssa Massengo, que Dieu te bénisse et que Dieu veille sur toi. Voilà. Voilà. Bon, on va se rattraper demain. Demain, on va se rattraper. Voilà. Je vous en prie, soyez très très prudents, Niami Bolon. Soyez très prudents, nous sommes en fin d'année. Fin d'année de blanc. Hein. Vous allez voir toutes vos villes là, les routes, les rues sont inondées de monde. Tu te demandes même ces gens-là sortent d'où. C'est vraiment. Tu vois, et la ville est trop agitée. Tu sens qu'il y a des mouvements de foule. Voilà. Donc ça va aller. Que Dieu vous bénisse abondamment. Linda, sois bénie ma grande. Souviens-toi de moi, mon papy, Achille Bekima. Oti, comment tu vas ma grande? Voilà. Ton encens est déjà là. Il est déjà là. Je vais envoyer ça incessamment. Esther Quadio, bonne nuit à vous. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. C'était Manu de